Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne vous illuminer, illuminer votre pensée, votre intellect, votre esprit, pour que votre esprit vienne guider votre âme en accord avec la volonté de Dieu, et que votre âme, alors, conduise votre corps en accord avec la volonté de Dieu. Voyez, j'étais en train d'observer ici la parole de Dieu, méditant, et regardez quelle chose glorieuse que la parole de Dieu enseigne, le Saint-Esprit enseigne. Voyez que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, traduit cette parole que nous avons dite sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, cette eau, qui est le Saint-Esprit, fera de lui une source qui jaillira pour la vie éternelle, c'est-à-dire pour toute l'éternité. Alors, quand nous recevons le Saint-Esprit, la personne commence à être une source pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Avez-vous déjà pensé? Les personnes ici dans le monde investissent dans le corps. Mais qui est sage investit dans l'âme. Qui est vaniteux, vaniteuse, qui place son corps au-dessus de tout, c'est parce que cette personne n'est pas sage. C'est une personne insensée, parce que le corps, pour plus que vous investissiez en lui, aussi beau soit-il, un jour va se détériorer. Et s'il ne meurt pas avant, s'il ne descend pas à la sépulture pour devenir poussière, il va devenir vieux, 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 et va se fatiguer de vivre. C'est ça. Nous vieillissons et nous devenons fatigués de vivre. Plus nous restons vieux, plus nous restons fatigués de vivre dans ce monde. Mais quand nous investissons dans l'âme, là, la chose change de figure. Nous vivons intensément le quotidien parce que l'âme soumise à l'esprit, au Saint-Esprit, et alors, heureuse, heureuse à l'intérieur. À l'extérieur, c'est la guerre, la chair, c'est la guerre. Mais dans l'âme, c'est la joie, c'est la félicité. Pourquoi? Parce que la personne conduite par le Saint-Esprit devient une source. Donc, elle est toujours prête, toujours disponible pour donner, et toujours elle donne, parce que la source ne cesse pas, elle est toujours en train de donner, elle n'arrête pas de donner ce que Dieu lui a donné. Mais l'apôtre Paul, confirmant et parlant de manière différente ce que Jésus a dit au sujet de l'eau de la vie, de ceux qui boiraient de l'eau qu'il donne, cette eau ferait en lui une source qui jaillirait pour la vie éternelle. Paul explique ainsi. Ainsi est-il écrit. Quand Jésus dit, il est écrit. Quand la Bible dit, c'est écrit. Quand quelqu'un dit dans la Bible, c'est écrit. C'est-à-dire, c'est déterminé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer. Personne. Parce que ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a dit. C'est lui qui a dit. Et il a utilisé des hommes pour écrire ce qu'il a dit. Alors, il est écrit.
il est aussi écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Âme vivante. Donc, l'âme vivante, c'est nous tous. Nous commençons comme âme vivante. Par exemple, tant que la personne n'est pas scellée par le baptême du Saint-Esprit, elle continue à être une âme vivante. Donc, elle va continuer à souffrir comme une âme vivante parce que l'âme vivante s'est développée dans le monde, s'est multipliée dans le monde et aujourd'hui, il manque 100 millions pour atteindre 8 milliards d'êtres humains. Et le minimum d'âmes vivent une vie abondante, intense, parce qu'elles ont été baptisées, scellées du Saint-Esprit. Mais les milliards, la plupart, les milliards d'âmes éparpillées dans ce monde, la plupart, je ne sais pas si cela arrive à 90%, mais je crois que cela atteint bien plus que 90% de personnes, des âmes vivantes dans ce monde souffrent. Elles n'ont pas le Saint-Esprit, donc elles souffrent, et elles souffrent beaucoup. Mais il dit, il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Âme vivante. Dépression, maux de tête, insomnie, peur, ce qui est bon, ce qui est mauvais. L'âme ressent tout, ressent le plaisir et le dégoût. Elle sent l'allégresse, elle sent la tristesse. C'est l'âme vivante. Et tout à travers le corps. Elle ressent tout à travers le corps. Alors, le premier homme, Adam, devint cette âme souffrante, nécessiteuse. Au début, elle a été faite parfaite, mais après s'être décollée de Dieu, être entrée dans le péché, plongée dans le péché, l'âme est devenue solitaire. Vide. Avez-vous déjà vu des personnes dire « Ah, je ressens un vide ». Ce vide, c'est l'âme vivante qui a été séparée de Dieu. Elle n'a pas encore une rencontre avec Dieu. Alors, tant qu'elle est séparée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, elle va souffrir. Elle peut avoir de l'argent, peut avoir du succès, elle peut avoir ce qu'elle veut, elle peut avoir le monde à ses pieds. Mais elle va souffrir, et souffrir chaque fois plus, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le choix de chacun. Dès le moment où Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, ils ont péché et sont restés séparés de Dieu. Alors sont nées les âmes vivantes d'eux, et le monde s'est rempli de milliards d'âmes vivantes sans Dieu, séparées de Dieu, vides de Dieu, tourmentées par ce monde, par les problèmes de ce monde. Alors, le premier Adam devint une âme vivante, comme sont les Adams de ce monde, les Ève de ce monde. Maintenant, le dernier Adam, le premier Adam, furent Adam et Ève, le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait naître. Jésus est né de l'Esprit quand il a été engendré dans le ventre de Marie. Après, à 30 ans, Jésus a été baptisé dans les eaux et avec le Saint-Esprit. Et là, vous demandez, mais comment
Jésus aurait-il besoin du baptême du Saint-Esprit s'il est déjà né de l'Esprit lorsqu'il a été engendré? Avait-il besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Bien sûr qu'il avait besoin. Il a été engendré par Dieu, Fils de Dieu, mais pour qu'il puisse exécuter la volonté de son Père, le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a fait devenir esprit vivifiant. Avant, il était âme. Âme vivante. Mais lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est devenu esprit vivifiant. Et là, il a commencé à donner la vie. Il a commencé à jaillir. Mais avant de jaillir, d'abord, il a été mené au désert pour être tenté, pour être éprouvé, pour apprendre par ses souffrances. La souffrance que nous souffrons dans ce monde, les tribulations sont pour notre croissance spirituelle. Jésus a dû grandir spirituellement. L'apôtre dit aussi, dirigé par le Saint-Esprit, que Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes. Mais il a appris étant esprit vivifiant pour qu'alors il puisse expérimenter, pour qu'il puisse, après avoir expérimenté, qu'il puisse faire jaillir cette eau vive pour toute l'éternité. Alors, il a été notre premier Adam. Le premier Adam humain des âmes vivantes furent Adam et Ève qui ont été rebelles. Mais le dernier Adam, qui est Jésus, a été engendré esprit vivifiant. Et esprit vivifiant, il a pu m'engendrer moi, vous engendrer vous, qui êtes scellés par le Saint-Esprit. Comprenez-vous, mes amis? Alors, quand la personne est âme vivante, elle est assujettie même au suicide, parce qu'elle souffre tellement, tellement, tellement que certaines d'entre elles finissent par vouloir mourir, parce qu'elles ne veulent plus vivre avec la souffrance de leur âme. Leur âme souffre trop. Jusqu'à ce qu'ils aient même déjà inventé une machine du suicide qui va fonctionner bientôt, là en Suisse, pour aider les personnes à mourir, disons, avoir une mort, disons, en paix, entre guillemets. Mais qui se tue, évidemment, se tue parce que l'âme ne supporte plus. Alors elle se livre à la mort. Elle pense qu'en tuant le corps, l'âme va se reposer, va dormir. Sauf que, après, l'âme ne meurt pas, le corps meurt. Alors, quand elle se tue, c'est là où elle va entrer dans un tourment pire, des milliards et des milliards de fois pire que le tourment ici sur terre. C'est la réalité, c'est un fait. Si vous voulez confirmer cela, lisez là Luc chapitre 16, quand Jésus parle, enseigne au sujet de la mort de Lazare et la mort du riche, dont il n'a pas prononcé le nom parce que il n'a pas non plus honoré Dieu. Alors cet homme riche qui était pauvre, qui était si riche, si riche, si riche, qui était si pauvre parce qu'il n'avait que de l'argent, il est allé directement en enfer, son âme est allée directement en enfer, et là en enfer, en tourment, il a demandé à ce qu'Abraham mouille, ou plutôt que Lazare mouille son doigt dans l'eau et vienne rafraîchir sa langue. Alors,
Quand l'âme n'est pas, ne se transforme pas en esprit vivifiant, mes amis, l'enfer est certain. Ce n'est pas moi qui le dis, non, c'est ce qui est écrit. Je suis seulement en train d'enseigner ce que la Bible nous enseigne. C'est écrit. Alors, tant que la personne n'est pas scellée du Saint-Esprit, elle est âme vivante. Elle est la copie de l'Adam rebelle. Mais quand elle est scellée du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et c'est l'une des raisons, c'est la raison principale du jeûne de Daniel, mener les personnes à cette compréhension et chercher le baptême du Saint-Esprit, quand elle est scellée du Saint-Esprit, elle cesse d'être âme vivante pour devenir esprit vivifiant. Là, elle commence à donner la vie. Tant qu'elle est âme vivante, elle cherche la vie. Mais après qu'elle devient esprit vivifiant, parce qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, alors, étant esprit vivifiant, elle commence à donner la vie. Elle commence à donner la vie. Donc, par exemple, quand j'entends dire « Ah, le pasteur tel ou tel ou tel s'est suicidé », je ne crois pas que cette personne a été sauvée parce que cette personne, même en étant pasteur officiel de l'Église, peu importe, si elle se tue, c'est parce que elle s'est tuée parce qu'elle était âme vivante. Il n'y a pas de salut après qu'elle se tue. Mais si elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, cette âme vivante se transforme en esprit vivifiant. À l'exemple du premier qui est esprit vivifiant, qui est le Seigneur Jésus, qui était le dernier Adam. Alors, voyez seulement, pour résumer le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'explications, et parfois la personne reste perdue. Adam, le premier Adam, a donné origine à l'humanité, âme vivante. Le dernier Adam, qui est Jésus, a donné origine à une nation d'esprit vivifiant, au royaume esprit vivifiant. Seul qui est esprit vivifiant vit dans le royaume de Dieu et a la garantie du royaume des cieux, le salut éternel. Tant que la personne est âme vivante, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'est pas esprit vivifiant, alors il n'y a pas de garantie du salut pour elle. C'est seulement quand elle va naître de l'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus l'enseigne en Jean 3. Là, oui, elle devient esprit vivifiant. Esprit vivifiant, c'est la source dont Jésus parle. Oh, celui qui boit l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, va faire de lui une source qui jaillira pour l'éternité. C'est l'Esprit vivifiant. Alors, il n'y a pas de plus grande richesse, il n'y a pas de plus grande gloire, de plus grande beauté, de plus grande félicité que celle où la personne et esprit vivifiant, c'est-à-dire esprit qui donne la vie. Alors, nous sommes des esprits qui donnons la vie. Par exemple, quand les personnes regardent ce direct ou nos messages ou viennent à l'Église universelle, alors nous voulons, notre focus est de les rendre esprits vivifiants pour qu'elles se multiplient, pour que le royaume de Dieu arrive jusqu'aux confins de ce monde, pour que nous puissions alors plaire à Dieu avec nos offrandes qui sont les âmes sauvées, rendues par le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Alors, mes amis, le jeûne de Daniel, c'est un sacrifice, oui. Vous pensez que je n'ai pas envie de lire des informations, de voir un film, par exemple, de regarder un film qui édifie, pas un film qui divertit, qui n'a pas de parole, non, mais un film qui soit bon, qui n'ait pas de bêtises, mais pour être avec vous qui êtes en train de faire le jeûne de Daniel, nous plongeons aussi. Nous plongeons dans la mer de l'esprit. Alors nous sommes ensemble, nous restons ensemble. Je n'ai pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit parce que je l'ai déjà été. J'ai déjà été scellé. Esther a été scellée du Saint-Esprit. J'étais scellé du Saint-Esprit. Nous sommes esprits vivifiants. Et c'est pour cela que nous voulons, chaque fois plus, chaque jour, nous travaillons, nous faisons quelque chose, au moins nous essayons de faire quelque chose, de mettre une petite brique dans la maison spirituelle des personnes qui nous regardent, pour qu'elles puissent aussi être esprits vivifiants, qui puissent jaillir pour toute l'éternité. Vous voyez que l'apôtre Paul, il était tellement incisif, pragmatique. Avec lui, c'était oui, oui, non, non, comme Jésus dit, qu'il arrive au point de dire à l'Église de Rome, à cette époque, il dit, vous n'êtes pas dans la chair, si vous avez le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien sûr, le Seigneur Jésus est esprit vivifiant. Il a été le dernier Adam qui a commencé une nation de personnes esprit vivifiant. Alors, qui est réellement baptisé du Saint-Esprit est esprit vivifiant, il donne la vie. Il ne reste pas nerveux. Bien sûr, vous pouvez vous énerver, être en colère, et vous ne perdez pas le Saint-Esprit pour ça. Parce que la vie est remplie de problèmes. Mais quand la personne est esprit vivifiant, elle est toujours en train de jaillir, elle est toujours en train de donner, elle est toujours en train de s'offrir. Elle est une offrande vivante pour Dieu. Tant qu'elle vit. Parce qu'elle est toujours en train de donner d'elle-même aux autres personnes. Parce qu'il est impossible de retenir une personne qui est esprit vivifiant. Tandis que celui qui est âme vivante, ah, celle-là, la pauvre, elle a toujours soif, elle a toujours faim, elle est toujours vide, toujours malheureuse, toujours triste. Alors elle va dans les fêtes, boit, utilise des drogues, a des relations avec l'un, deux, trois. Le corps qui a été fait pour être le temple du Saint-Esprit est utilisé pour être un temple des démons. Alors ces personnes qui sont âmes vivantes essaient de suffoquer le vide de l'âme. Elles essaient de suffoquer la tristesse de l'âme, la condition misérable de l'âme vivante. Mais qui reçoit le Saint-Esprit reste heureux dans la joie à chaque instant. Joyeux à la maison et joyeux au travail, joyeux où qu'il soit, parce qu'il est esprit vivifiant, parce que cette personne est toujours en train de donner. Et vous, mes amis, qu'êtes-vous ? Âme vivante ou esprit vivifiant. Si vous êtes encore âme vivante, courez après, parce que tant que vous êtes vivant, vivante, vous pouvez vous transformer, être transformé en esprit vivifiant. Mais après la mort, il n'y a plus rien à faire. Alors nous allons courir après. Le jeûne de Daniel, vous pouvez commencer aujourd'hui même, même si vous ne faites pas les 21 jours, mais vous faites ce que vous pouvez. Vous voulez commencer maintenant, il n'y a pas de problème.
éliminer toutes sortes d'informations séculaires, feuilletons, si ce n'est les feuilletons bibliques, ceux qui ont un contenu biblique, un contenu bon qui édifie l'âme, là oui, mais du reste, vous retirez informations, journaux, réseaux sociaux, conversations inutiles, éliminez tout ça et plongez votre pensée dans la pensée du Saint-Esprit, qui est sa sainte parole. Vous allez voir ce qui va arriver. Là, après, vous allez remercier Dieu pour ce sacrifice. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.